Coucou, nous sommes mardi. Je me prépare mon petit café. Eric, il commence à 9h, il a cours à 9h. Et moi, j'ai également pas mal de boulot là aujourd'hui. Petite tartine grillée, confiture, beurre. Alors, ce matin, j'ai téléphoné à ma coiffeuse pour anticiper parce que là, voilà, j'avais dit, je vais attendre plus d'un mois avant d'aller chez le coiffeur, avant d'aller dans les magasins, enfin, on va dire action, genre de trucs. Et j'ai appelé ce matin pour prendre rendez-vous. Je me suis dit, voilà, je vais voir. Nous sommes donc mardi. Elle me dit, j'ai de la place aujourd'hui. Donc j'y vais tout à l'heure, 13h30. Comme je vous disais précédemment, je ne sais pas encore ce que je vais faire. C'est possible que je ne fasse pas blonde. C'est possible que. Souvent, je lui dis, montre-moi des modèles et je peux craquer sur quelque chose de complètement inattendu. C'est ça qui est cool. Voilà, donc pour l'instant, je vais me tourner une vidéo face cam. Je vais me tenter un truc, voilà, histoire que vous ayez quand même du contenu. J'ai mon Jackie qui est là. Et comme je vous disais, Eric, il est au boulot. Il bosse aussi cet après-midi. C'est sa plus grosse journée aujourd'hui, mardi. Je sais que demain, il bosse pas. Enfin, le mercredi, il bosse pas. Jeudi non plus. Et vendredi, il bosse genre 3 heures. Donc ça, c'est cool. Voilà pour cette petite intro. Alors, je pense que ça ne vous parlera pas beaucoup, mais il faut que. Ah, mais non, c'est pas ça. C'est le tensiomètre qui montre des signes de faiblesse. Enfin, il m'a carrément dit il faut changer les piles. Et c'est ce genre de. J'espère que c'est que deux, parce que j'en ai pas plus. Et ben voilà, nickel. En espérant qu'elle marche encore. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Si, c'est bon, en fait. Ça refonctionne, regardez. Très, très attentif, celui-là. T'as pas pu t'empêcher de te lever. Mais c'est encore des jolis yeux, moi j'en peux plus, ce garçon, je n'en peux plus. Qui c'est qui a une très très bonne tension? Oh, 12,7. Eh ben, je peux vous dire que ça fait bien longtemps. Cool. Ah si, il y a ça que je voulais vous montrer, attendez. Je vous en ai parlé, c'était hier ou avant-hier, que je voulais éventuellement mettre, donc je vais mettre un autre cadre, mais dans le même délire, je vais me trouver une image, toujours un animal un petit peu fun, qui fait un truc un petit peu sympa aussi. Dans des couleurs pop, mais pour l'heure, je vais me tourner une vidéo. Avant de commencer aussi, voilà ce que vous allez pouvoir gagner sur mon Insta. Je vous mets la petite photo juste ici pour participer. Donc nous avons le gommage, nous avons un Lécor onctueux. C'est une très bonne marque, blanc crème. C'est ça, c'est un stylo anti-imperfection. Donc si tu as des petits boutons qui poussent, ce genre de truc. En plus, il est vraiment joli. Et nous avons le goodies, les deux coquetiers, tellement mignons, je vous montre. Dimanche et l'autre, samedi. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à. Hein. Bon, j'ai absolument pas fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire une vidéo, c'est pas grave. Enfin si, j'ai fait un petit truc sur Insta. Je vous invite à aller voir. C'est une petite danse, enfin bon, voilà, ça faisait longtemps. Et par contre, il fait froid, mais qu'est-ce qui fait froid? Gilet, j'ai pas le choix. Je sais pas, il y a ce côté même humide. Je me sens toute frigorifiée, tout simplement. Il est midi et demi. J'ai pas mal bossé sur tout ce qui est ma chaîne, mais la structuration. J'ai créé plein de miniatures. Je les ai pas encore mises parce que j'ai un doute, mais je sais pas si vous allez me répondre. J'ai constaté que lorsque, par exemple, je changeais de miniature d'une vidéo qui date d'il y a un mois ou allez, qui date d'il y a une semaine. Et le fait de faire des modifications, soit dans le titre, soit dans tes descriptions, soit que la miniature, ta vidéo n'évolue plus. Je ne sais pas trop si je dois le faire. Oui, donc Eric va rentrer, je vais grignoter parce que, donc, comme je vous ai dit, 13h30 le coiffeur. Parce que sinon, c'est un coup à ce que je m'y prenne encore un moment, que je parte vite et j'ai pas envie de ça. Ça a été? Très bien. Bon, tant mieux. Oui? Elle est bonne ma petite salade ou pas? T'aimes ça la betterave alors? Moi je vais me faire du maïs sans OGM, un petit sandwich. Enfin, un petit sandwich de la dinde. Arrête! Tu restes comme ça, point barre. Histoire de grignoter quand même un truc. Et j'ai rajouté ça, mais il fait très très froid. J'ai froid encore. Quoique on a regardé, il fait 19,6 dans la maison, c'est plutôt correct, mais je ne sais pas. Bon alors, je fais quoi comme couleur? Tu fais la couleur qui te plaît. Mais toi? Tu m'avais dit de tenter par rapport à mes yeux Non, bleus je t'ai pas dit de tenter. châtain. C'est pas ça que tu. Tu m'as dit quoi? L'autre fois, tu avais une perruque où tu étais châtain. Oui, enfin, c'était pour le docteur Raoult. Oui, peu importe. J'étais châtain, c'était plutôt rouge. Oui? Tu as mis une perruque. Oui. Et quand tu as mis cette perruque, j'ai dit, tiens, c'est marrant.
avec les cheveux châtains, on voit mieux, tes yeux ressortent. C'est vrai. Donc ça te va bien. Je dis ça, quoi. J'ai rien dit d'autre, j'ai pas dit j'en tenté, ai interprété. Ah bah après, tu peux expliquer. Non, mais je trouve que le blanc, j'ai peur parce que le blanc, ça reste quand même très lumineux. Et la fois où tu avais mis ta perruque que tu avais fait, comment ça s'appelle? Ah ouais, Casa des Papels. Ah bah là, elle était foncée. Oui, non, même, peu importe. Je trouve que le carré, ça te va très bien. Ouais, mais, j'ai pas dit qu'il fallait que tu mettes un carré. Oui, je sais. Mais non, un carré court, si ça te manque, ne le fais pas. Mais... Si, c'est pas parce que quelque chose te va bien que tu es obligé de le faire. Bien sûr. Je sais pas, mais on va voir. Moi, par exemple, la crête rouge. Iroquois. Iroquois, ça me va super bien. Mais comme t'es prof. Ben voilà, je fais pas. Et quand tu sais que ça te va bien, tu l'as jamais faite. Laisse-moi rêver. Laisse-moi rêver. Je vais me faire un petit. Je te dis que ça t'allait bien. Ouais, Chavroux sur la biscotte. Là, ça va mieux. Ouais. Pour moi, ce qui te va le mieux pour moi, c'est quand tu t'es coiffé comme. Comme l'espagnol. Comme l'espagnol. Ouais. Ah ouais, bah. Hein? Oui, parce que tu trouves que mon visage lui ressemble. La forme. Mais je trouve que. Ce que je trouve, moi, c'est qu'avec tes cheveux longs comme ça. Ouais. Et tes lunettes, on voit tout. Ouais, bah oui, je sais. Mais je sais, bébé, les lunettes. Déjà que ça me fatigue d'avoir ces lunettes. Donc, la frange, les cheveux longs. Et toi, t'as pas ce problème-là, toi? Non. Non. Oh. Oui, et concernant, je vous avais fait demander un petit sondage sur, avec le test micro-cravate. Bon, on va dire plus des trois quarts même. Vous m'avez dit non, ça fait chelou, on dirait une voix radio entre... Il y a moins cette proximité, ça fait étouffer, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, mais c'était intéressant de le tester. Ça m'embête parce que c'était un micro sympa quand même. Une bonne marque, Rode, ou alors c'est que c'est moi qui ne fais pas les bons paramétrages après, au moment du montage. Je vais quand même refaire, parce que je trouve ça quand même dommage. Mais moi aussi, je trouve qu'effectivement... De toute façon, je ne comptais pas du tout l'utiliser pour les vlogs. Hein. Ça, c'était non, c'était vraiment, je vous ai dit, lorsque je fais une face cam, je présente une box, je raconte quelque chose, je fais des hauls, mais forcément, je ne vais pas me trimballer avec un fil comme ça pour les vlogs. Mais bon... Je vais quand même manger. Ça n'enregistrait pas. Oui, je disais, j'ai le masque. Forcément, je sais quoi faire. Le bébé, il m'emmène. Et après, il y a Wonken. Allez, c'est parti. Alors, je viens de sortir. J'ai encore mon masque. Parce que je dois aller à la supérette prendre 2-3 trucs d'après, on va dire. J'adore. Le résultat est super joli. Par contre, t'arrives, on te désinfecte les mains, tu n'as pas de... Tu mets tes habits, tu les gardes avec toi, il n'y a pas de dressing, on va dire. Ils désinfectent ton siège, enfin bon, c'est hyper nickel. Oh, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas venue ici. Ben voilà, blonde. J'ai fait comme d'hab, j'ai fait des mèches, j'ai fait une patine pour déjaunir en fait, et j'aime beaucoup. J'ai pas osé faire le brun, enfin le beaucoup plus foncé, parce que j'ai pas dit que je le ferais pas, mais pour ça, comme je vous avais dit, il faut que j'ai les cheveux plus longs, je pense, et avec plus de matière. Mais franchement, j'aime beaucoup, surtout au niveau de la frange, quoi, ça devenait... ouais, c'est beau, hein, franchement, ils sont très très beaux. Elle me les a coupés également, alors vraiment éboutés. Si avec elle, elle m'a dit, j'aurais coupé encore de 4-5, alors je les avais déjà coupés, ils se sont vraiment pétés là en bas. Je sais pas pourquoi, pourtant je leur fais des soins tout le temps. Ah, vous allez me dire, c'est pas le même t-shirt, mais j'ai tellement sué, je suis restée 2h30, plus de 2h30, avec le masque. Attendez, la fenêtre est ouverte. Je sais pas comment elles font. 2h30 quoi. Ouais, donc j'aime beaucoup le résultat, et je vais ranger quand même, j'ai fait quelques petites coursettes. Est-ce que c'est normal? Tu peux pas laisser ici quelque chose sans qu'il y ait le gars qui vienne inspecter, en fait. Ouais, bon. Eh ben, pas de mire, on en avait plus du tout. J'ai pris ça parce que j'ai plus de lime à ongles. Et ils sont pas réguliers. J'ai envie de me faire une jolie manucure. Ceci, parce que pilule, mais on m'a dit que ça allait le couper. Tu parles, c'est le festival de Cannes, papier rouge, à fond la caisse. Et ça, c'est pour Eric, il va être très content en rentrant du lycée. Et un deuxième, donc vous voyez, il y avait vraiment, mais vraiment pas grand-chose, 16h40, hop, je vais lui en mettre un au frais, il est très content en rentrant.
Et pour le goûter, voilà, j'avoue, je vous dis tout. Hier soir, il y a eu craquage. Nous tiens tous les deux. On a été faibles et on a pris McDo. Ça, c'est notre petit goûter qu'on avait pris hier. Pour le coup, on l'a attendu, mais en même temps, il y avait une glace. C'est celui-ci, moi, j'en peux plus. Il est excellent, le muffin noisette à l'intérieur, c'est comme du Nutella. Oh. Et lui, il s'est pris ça. Donc, je vais l'attendre quand même. Non, t'aimes bien ou pas? Oui, oui. Bon, c'est... C'est un peu comme d'habitude, mais t'aimes bien, donc ça va. Ça change pas des masses, tu me diras, oui. T'as vu le goûter? C'est ça, et ton coca au frais. Voilà, c'est le petit goûter. Il est pratiquement 17h. De Jackie. En direct sur CNews, si vous nous rejoignez. Bon, finalement, on reste là parce qu'Eric est trop fatigué. Il a la flemme d'aller marcher. Tu dis rien? Non. Non, en fait, c'est moi. Je me sentais pas, j'ai encore mal au ventre. Donc, on reste tranquille, on regarde petite... Qu'est-ce qu'on regarde d'ailleurs? On va regarder un documentaire Super. Sur le langage. Oh. La linguistique. Non, non, c'est bon, en fait, il déconne. Alors non, il déconne pas, en fait. Par résultat, je suis montée bosser. Ah, ça m'intéressait pas. Voilà, l'une des inspirations pour mon fond. Regardez, très Carrie Bradshaw, très Sex and the City, rose pastel. Oh, magnifique. Est-ce que c'est, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai mise de côté. Je vous montre les deux autres. Magnifique porte, toujours dans les taureaux. J'avais pas vu, nous avons le logo numéro 5. Petit clin d'œil à Chanel. Peut-être sympa aussi, mais là, on s'éloigne un petit peu de ce que je voulais initialement. Et là, plus dans le thème, mais ça reste une girafe avec une bulle, soit de profil, mais je voulais un animal différent, pop, et qui fasse un truc différent. Mais voilà, trois inspi, de toute façon, c'est ma maman qui va les imprimer, elle a une imprimante couleur, format 4 et tout. À voir. C'est l'heure d'aller préparer à manger. Non, c'est pas ici. Je vais faire, non, je vous l'ai pas dit, les patates grenades, coupées en deux, chaudes, bien évidemment. Moi, je vais mettre le chavreau, ou alors... noisettes de beurre avec des aiguillettes de dinde parce qu'elles vont jusqu'à dehors. Donc je vais faire ça ce soir. Et attends, parce qu'Eric, je l'entends, il ouvre le congèle, là où il y a sa pizza, sa grosse pizza américaine qui kiffe. Et je l'entends, il fait exprès par les fins pour que je dise qu'est-ce qu'il y a, bébé. Non, rien, j'ai ouvert le frigo et j'ai vu la grosse pizza. Tu vois, le gros message en fait. Mais non, non, pizza demain. Attends, McDo hier déjà. Ah, il est en train de faire de la musique. Travail, travail, vas-y. Voyez, jusqu'au 17. Ah, j'aime pas couper la viande, je déteste ça. Bon, je vais faire des petites aiguillettes. Voilà, ça c'est pré-coupé. Et 15 minutes. Ah, c'était à la poêle, c'est vrai. Attends, je peux aller faire au four? Mais oui. Bon, clairement, je suis dégoûtée. Je l'ai ouvert. Il est vide, mais vide. Il reste. Parce que la recette, elle est bonne. Avec le chavroux, je peux mettre du beurre, mais c'est pas pareil. Oh, je suis dégoûtée. Voilà, quand t'anticipe pas d'acheter ce qui manque. Bon, c'est pas grave. Regardez-moi ça, ça a l'air super bon. Je vais aller le chercher parce que si je l'appelle, il m'entendra pas. Il faut faire de la musique. Bébé? Oui? On va manger? Oui. À toutes. Que... Dans une ben je sais, mais non, non, mais c'est pas ça. Mais moi aussi, quand je fais mes trucs, ça traîne. Mais c'est bon. Hein? T'as pas eu tort, t'étais en train de créer de la musique. Quand tu me dis, viens, c'est prêt, que je dis oui, j'arrive, et que je viens pas, j'ai tort. D'accord. Mais c'est pas très grave non plus. Ah, pas du tout, non. Est-ce que j'ai nettoyé l'écran? Je sais même pas. Oh. Ah, t'es bien comme ça. Il puis savoir, c'est pas mal. Ah, fais voir. Hop. Oui, c'est pas mal. Comme ça, la nuit, s'il veut jouer. Il n'a pas besoin de chercher parce qu'une fois il se réveille comme ça, il est sous, mais pas. Voilà. On dirait plutôt une poule, hein, non? Avec ses petits œufs. Il aime bien aller voir ses jouets. Oh oui, ses jouets, il n'en a rien à foutre là. T'as vu que j'ai mis le miroir? Oui. Et là, c'était bien. Et c'était bon ou pas? Enfin, moi j'adore. Hein. Un bijou. C'était bon, chérie? C'était délicieux. Je me suis régalé. Mmh. On va faire les courses demain, du coup. Ouais. On a pas mal de manque. Bah, bien sûr. Non mais c'est vrai, il y a pas de frigo, il est vide, il est quasiment vide. Oh, c'est incroyable. Il se fout de moi en même temps. Un petit peu quand même. Bon bah vous l'aurez compris. Que, si les gens ils voulaient savoir. Achetez des yaourts. Oh, d'ailleurs écrit, il faut qu'on note tout ce qu'on a besoin parce que voilà on va encore oublier. Des coton-tiges. Bah, il y a autre chose qu'on a dit, je sais plus, bref. Et tu regarderas la vidéo comme ça tu auras les réponses. C'est pas besoin que je note. Bon, est-ce que c'est possible que je discute sans que tu me coupes? Bien sûr.
Va, tiens, va préparer notre petit con. Ah oui, on a une nouvelle série. Comment ça s'appelle? Alors, c'est de la fantasy. Fantasy, c'est de Carnival l'enquête. Row? Carnival Row. Non, je sais plus. Si, c'est ça. C'est sur Comment tu fais? Netflix. Comment tu fais quand c'est bien? Quand c'est bon. C'est super sympa. Je vous ai dit hein, que j'ai fini. Ouais, on a fini Good Girl saison 2. Top. Voilà. Bon, on se retrouve demain. Alors, demain, pas certaine qu'il y ait un vlog. Du Ça chavrou. sera peut-être une face cam. Du chavrou. Peut-être. Oui, chavrou, chérie. Je sais. Ok? Voilà, dans tous les cas, j'essaye d'être présente demain pour vous et de vous faire une petite vidéo. Je vous fais un gros bisou. Bah tiens, pendant que t'es là, tu peux dire au Oui. revoir. Au revoir. Allez, à plus. Je vous embrasse. Salut.